Donc cet hélicoptère, c'est un hélicoptère franco-allemand qui est construit à Marseille Marignane, chez ce qu'on appelait autrefois Eurocopter, qu'on appelle aujourd'hui Airbus Helicopters. Cet hélicoptère est une machine de technologie tout à fait contemporaine. C'est un biplace de combat avec un pilote et un officier de système d'armes, un opérateur de système d'armes. Il s'appelle le Tigre, c'est un bimoteur. Il est doté d'une maniabilité phénoménale, un bon schéma qu'un disque est devenu un symbole. C'est un avion qui a même entré dans l'art moderne américain, puisque il y a quelques tableaux de M. Liechtenstein qui représentent quoi, qui en représentent un. Cet avion est une icône, en plus d'être un avion. Dérivés du Constellation comme celui-ci, le Super Constellation, sont des légendes. Ce sont des avions qui ont écrit l'histoire. Ce sont des avions qui ont transformé le monde et ses habitants, non plus en piétons, mais en véritables voyageurs du ciel. Puisqu'avec ces avions et leurs équivalents d'époque, par exemple, le Airbus 1956, dann der Starliner. Le Super Constellation et les Constellations se pilotaient en équipage. Il y avait un pilote assis en place gauche dans le cockpit, il y avait un copilote assis en place droite dans le cockpit, et puis entre les deux, il y avait un mécanicien navigant qui était le maître de la mécanique, à tel point d'ailleurs que le mécanicien avait son propre panneau d'instruments sur la paroi droite du cockpit derrière. Et puis il y avait un navigateur qui lui savait, enfin, supposé savoir. Super Constellation.